Yo, c'est Ayahuasca. Et c'est l'heure de chill, c'est l'heure de se reposer tranquillement et de profiter d'un gameplay qui, j'ose l'espérer, sera qualitatif. Hein? Je suis sur Twitch, je suis sur TikTok, je suis sur YouTube. Les infos sont données. Et puis voilà. Le reste, c'est très facile de me retrouver. Hein. Ben j'envoie le jeu, hein. On va pas essayer de tergiverser pendant 3 heures. 3000 ans. Let's go. Est-ce que ma manette elle est connectée? Ouais. Noise. Accélérer vos gains avec des GTA-RP triplés dans les courses ultra-légères. Ouais, je fais pas ça, moi. Moi, je fais que du mode libre. Tac, comme d'hab, mode histoire pour aller directement dans une session solo. Puisque le online, il est mort de chez mort. Mort, c'est la muerte. Continuer le truc là du clocking bell là. J'ai toujours pas terminé. Donc on va faire ça, je pense. Ou pas, ou peut-être qu'on va faire autre chose. À voir. Il y a tellement de choses à faire sur ce jeu en même temps. On a l'embarras du choix. Je vais laisser mon instinct me guider, comme d'habitude. Déjà, premièrement, il y a les petits rituels, les petites habitudes, les routines. On va au casino et on va faire tourner la roue. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui. Je connais tellement le jeu que je me repère juste à ce que je vois. Je regarde même pas la carte. Et je ne mets même pas de GPS. Juste, je regarde l'environnement autour de moi. C'est comme si j'habitais dans cette ville. C'est une dinguerie. Oh, si je gagne la voiture, j'ai le seum parce que j'aime pas les Formule 1.
En vrai, on peut pas utiliser les armes en fait dans la Formule 1. Alors elles ont une bonne tenue de route, mais bon. Les autres voitures aussi. Just one more minute. For glory. Come enjoy the thrill of horse racing. New races every few minutes. Bon, les jetons, c'est bien mieux que... qu'une bagnole, enfin... qu'une Formule 1. Something else I can do for you? Here. Goodbye. What's wrong, Lauren? Nothing, I just wish the others were here. Oh, come on! Ah tiens, faut que je passe à la boîte de nuit, là. En bas à gauche, ils me disent, là, j'ai... Il y a du bénéf. Bénéf. Tout pour le bénéf. Bénéf, bénéf. C'est qui chante ça? Tout pour le bénéf. Non, je sais plus c'est quoi. C'est rien ça, vous inquiétez pas. Alors là, vous vous dites peut-être, il utilise toujours la même voiture. Est-ce qu'il n'en a pas d'autres? Bah regardez, c'est pas pour flex, hein. Sachant que j'ai tout fait de manière légite, j'ai pas fait de modding ou quoi, mais non, je n'ai pas que cette voiture. La preuve. On va les compter même. Je les ai jamais comptés, donc j'en profite pour le faire maintenant. Alors, une. Donc là, il y en a 12. C'est écrit en haut à droite du truc. 12. Plus. Alors, les BMX, on les compte pas. Hein. Plus 2. Donc ça fait 14. 15, 16. 16, puisque le reste, c'est des vélos. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Non, 23, pas 23 parce que c'est un vélo. Donc 22. 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Putain, j'ai arrêté. Je me suis perdu puisque je conduis en même temps. Bon, il y en a une trentaine, on va dire. Plus 13. Donc, 33 en gros, 43 plus 20, et ça, c'est mon garage préféré. Celui-là, du coup, 43 plus 20, bah ça fait 63, 83. Wow. Ça fait beaucoup quand même. Là, non, ça fait beaucoup. Là, quand donc 83, bah 103, 103 plus 7. En gros, 110, 111. Waouh, c'est beaucoup trop là. On a combien là? 9. Bon, en gros, ça fait 120, 122. Ouais, c'est trop là, c'est trop. 122 plus 6, 9. Donc en gros 130. Allez, 140. 150. 160. 162. Allez, 170. On arrondit. Hein. 175. Ça, trop. Bon, 180 en gros, même si c'est plus, mais j'arrondis.
Allez, 190. Non mais sérieux, j'en ai autant que ça là? Attends. D'accord, 190 plus 3, 193. On dirait 200. 201, 202. 202 bagnoles, en gros, 200 bagnoles. I'll get back to it then. Et ça fait plus d'un an que j'ai arrêté d'en acheter. Plus d'un an même. Plus, presque, ouais, ça doit faire plus d'un an que j'ai arrêté d'acheter des bagnoles dans ce jeu. Et pourtant, j'ai encore des garages et tout ça que je peux remplir. Mais je sais pas, d'un moment. Et en fait, à la base, pourquoi je les ai comptés, c'est parce que. En gros. Sur les 200 bagnoles, à chaque fois, je n'en utilise qu'une seule. C'est la Shafter V12 blindée. Pour moi, c'est vraiment la meilleure. La meilleure de chez meilleure. Bref. Bon, puisqu'on est dans la boîte de nuit, on va enlever. Voilà. J'ai pas envie d'être striké et tout ça, droit d'auteur, machin, etc. Ça me saoule. C'est chiant, après, c'est pas agréable pour vous, ni pour moi, du coup. Par extension. Bon, il y a un mec qui ruine l'ambiance, apparemment, on va aller le dégager de la boîte. Là, imaginez simplement que c'est la musique que vous préférez au monde. Une musique qui fait danser de préférence, hein. Et puis voilà. Vous la mettez sur Spotify en même temps, genre. Alors, il est où le mec? C'est lui? Ah non, il est en dessous. Il est au rez-de-chaussée. C'est marrant d'entendre les pas et les mecs parler et tout, sans la musique. C'est vraiment très drôle. On dirait un tournage et sur lequel on rajouterait la musique après. Alors toi, t'es trop bourré, tu fous la merde, dégage. Allez, comme un malpropre, à l'ancienne. Mince, pardon, excusez-moi. Il danse vraiment n'importe où, en milieu des escaliers comme ça. Je déteste les gens qui s'arrêtent sur les points de passage comme ça, c'est fou. Je vous jure. Peu importe où vous êtes, dans quelle situation, dans quel contexte, les gens qui se mettent dans les points de passage, genre devant les portes, dans les endroits un peu où, enfin, c'est forcément du passage, t'es pas censé t'arrêter, c'est relou, ils bloquent tout. Qu'est-ce que je raconte? Pourquoi je raconte ma vie comme ça? Je suis un ouf, moi. Vraiment débile, le mec. Hop. Ah mince, j'aurais pas dû checker ça, j'aurais dû voir s'il y avait du business à faire avant. Je vais d'abord voir s'il y a du business. Parce que s'il y a moyen qu'il rajoute 50 000. Non, ça va, y a rien. Je vends pas en dessous de 100 000, sinon c'est pas rentable. Jamais dans ce jeu ne faites ça. Enfin, si vous êtes un level assez élevé. Enfin, genre, si vous êtes. Merde. Si, genre, vous êtes plus que millionnaire dans ce jeu. Ne faites aucun business qui rapporte moins de 100 000 balles, en mode libre en tout cas. Sinon, c'est pas rentable. Parce qu'il y a les frais tous les jours des business et tout ça. Ah non, mais pourquoi je fais ça à chaque fois? Ça m'énerve. À chaque fois, je monte dans cette voiture alors que je devrais mettre la Shafter ici, du coup. En vrai. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? N'importe quoi. Ah, attends. Bizarre.
J'adore quand il pleut dans ce jeu. J'adore quand il pleut dans la vie. J'adore quand il pleut quand il y a du tonnerre, j'adore. Tout est plus beau, surtout la nuit. Oh là là, si j'ai de la crème. Bref, je vais aller checker le business du bunker pour voir s'il a pris, s'il a été valorisé. C'est le trafic d'armes. L'un des trois meilleurs business à faire en solo, si vous jouez solo, pour vous enrichir. Excusez-moi, pardon, désolé. Je faisais pas attention, je regardais le retour Twitch. Alors, est-ce que ça avance la production d'armes ici ? Si c'est au-dessus de 100 000, je vends. Sinon, non. Non, pas du tout, ok. Bah tiens, je vais faire une mission de... Ouais, je vais faire une mission de Réa Pro. Après, on va aller voir Vincent. En fait, tout à l'heure, je disais, si vous êtes millionnaire, ne faites pas des business qui rapportent en tout 100 000 en monde libre. En fait, c'est faux, c'est pas ça. C'est si vous avez plein de business, genre des bunkers, des complexes, des hangars, des lieux de production de drogue, de faux papiers, de machin. Si vous en avez plein, et ben ça va créer des charges quotidiennes qu'il va falloir payer. Et du coup, si vous en avez plein, et ben elles vont revenir à peu près, j'ai calculé, à 50 000 voire plus. Donc si vous faites un business qui rapporte que 50 000, bah en fait ça va pas avancer quoi. Faut minimum 100 000 pour avoir un minimum de bénéfices quoi. Bref. Allez, c'est parti, une petite mission, bien sûr. Noé m'assiste. Donc pas de visée guidée. À la manette, joystick, pure gaming. À la bien, cousin. Savoir que quand il y a du tonnerre comme ça, généralement c'est le meilleur moment d'aller chercher des easter eggs. Par exemple, s'il y a du tonnerre comme ça et qu'il fait nuit, je vous conseille d'aller voir un petit Macbeth. C'est un whisky, un alcool qu'il y a dans les boîtes de nuit ou des trucs comme ça. Et il peut vous arriver des trucs intéressants, vous verrez. Bon là il fait pas nuit donc je vais pas le faire mais... J'ai jamais réussi à débloquer d'ailleurs le truc dont je parle. Excusez-moi monsieur, pardon, ouais désolé, pardon.
il était sur mon passage. C'est rien, c'est rien. So, this is one of their low-level sites. Their computer system should have a record of their flight plans. Job one is to track the plane's movements through SA airspace. Then we'll worry about getting you close enough to hack it. Non. Wouah, j'ai trop de chance. Mais pourquoi je prends feu là? Ah mais c'est en bas, c'est le feu. Wesh. Mais y a de l'eau, tu peux pas prendre feu frérot. C'est quoi ça? Bah, c'est une dinguerie. D'où on prend feu comme ça? Mais encore! Mais c'est un truc de ouf! Non mais wesh! Non mais. Et ça me poursuit! Ah bah tiens, je m'entends. Pardon, j'arrive. Ok. Il est mort lui? Bon, on dirait que tout le monde est mort. Salut Pélé, ça vaut quoi ?
Je suis en train de crever. Bienvenue, pose-toi. Et profite du spectacle. Ouais, ça va tranquille. Non, je suis pas sur PS5, je suis sur PC. Les mêmes graphismes que sur PS5? Ah ouais? Oh, tu sais. Au stade où on en est, les différences, elles doivent être minimes. Hein. Je sais pas quoi, tu dois avoir vraiment l'œil. Hein. T'as l'œil de fou. Non, regarde, la preuve que je suis sur PC, comme ça tu sauras. Regarde, je peux modifier les graphismes et tout ça comme ça là. Ça, on peut faire ça que sur PC, tu vois. Oh, merci pour le follow. C'est gentil. Ça fait plaisir. Ça donne le sourire, comme on dit. Il y a une chaîne YouTube, hein, n'hésite pas. Hein. Après, tu fais ce que tu veux. Hein. Il y a aucun. Je m'en bats les steaks. Hein. Tu fais vraiment ce que tu veux, mais il y a une chaîne YouTube. Et puis, même, il y a un petit TikTok. Mais il faut que je mette le lien pour le TikTok. Par contre, la chaîne YouTube, il y a le lien. Mais le TikTok, tu sais, je mets des petits trucs sympas. Tu sais, qui durent très peu de temps. C'est les meilleurs moments, on va dire. Une sorte de best-of, quoi. Bon, bah, je sors. Hein. Voilà, pour ton plaisir, comme on dit. Ah non, mais je peux pas faire cette mission en fait, elle est galère de fou. Wesh. Cette mission tout seul, elle est galère. Ça marche frérot, vas-y fais comme tu le sens, mets-toi à l'aise. YouTube, cette mission en solo elle est très difficile parce que je vais devoir survoler un avion et je vais devoir pirater, et pendant que je pirate je ne vais pas pouvoir utiliser les armes, donc je serai en fait totalement à découvert, on va dire, vis-à-vis des hélicoptères qui vont me tirer dessus quoi. Donc il va falloir que j'utilise un angle très particulier pour pouvoir réussir le piratage sans mourir en boucle en fait, et ça c'est un délire, enfin en tout cas quand tu joues en solo quoi. Espérons que je vais pas mourir en boucle à force d'être parce qu'on me tire dessus quoi. Voilà, c'est juste ici.
Va falloir gérer les bails, c'est parti. Non, j'aurais dû faire un truc avant. Mais il est où l'avion? Ah, il est là. Donc si j'arrive à avoir le bon angle, c'est-à-dire me mettre sur la gauche et en même temps suivre l'avion, ça devrait bien se passer. Sinon je suis... Bah voilà, ça commence déjà à être dans la merde là. Allez, on y croit. Faut juste que je reste sur le côté comme ça, et ça devrait passer. Bon, bah ça c'est pas... Super. C'est une galère, vraiment en solo, c'est une galère. Je sais pas d'ailleurs pourquoi j'ai explosé comme ça. Ah, c'est parce qu'il y a un canon qui nous tire dessus en même temps aussi. Ah ouais, c'est trop chaud. C'est vraiment trop chaud. Si je me mets en dessous, je crois qu'il y a un canon aussi, tu vois, donc c'est chaud là. Putain, et le canon, il est là, là. Faudrait peut-être que je... zigzag en même temps. Ah, peut-être ça marche. Ah ouais, mais non, mais là c'est trop là. C'est compliqué. Hein. C'est vraiment... Putain, mais vas-y. C'est trop chaud. Hein. Vraiment seul, c'est impossible ce truc. J'ai aucune autre solution. Hein. L'MK2, je la déteste, mais vas-y, j'ai pas le choix. Pourquoi il tire pas? Ah mais oui, non mais il y a un canon là en fait. Désolé, je suis un peu énervé du coup, laisse tomber. On va aller voir Vincent en direct, ça me saoule, c'est bon. Cette mission elle m'énerve. En fait, elle m'énerve pourquoi? Parce qu'en fait les développeurs, ils ont pas fait. Ils ont pas du tout pensé aux joueurs solo quoi. C'est vraiment en mode soit tu joues avec d'autres joueurs, soit nique ta mère en fait. Et ça me vénère, ça me vénère. Ta gueule Martin, ta gueule, ferme ta gueule, je suis énervé. Donc on va aller voir Vincent et on va faire le braquage là.
juste leur décompte il est faux parce que l'avion. L'avion n'est plus disponible et il reste 12 minutes encore sur le décompte. C'est-à-dire que même ça c'est faux quoi. Enfin, vraiment c'est une mission toute pourrave en fait de réa pro quoi. En tout cas quand t'es seul. Quand tu veux jouer solo quoi. Tu sais quoi, on va pas faire ça pour rien. On va aller voir les mecs là. J'ai un mec à voir. On va aller voir lui là. Resalut. Resalut Pelé. Pelé. Ou Pelle. Non, je pense qu'il faut dire Pelé en vrai. Bon, oh, excuse-moi, j'ai tabassé le dealer. Au calme. Bon, je vais aller voir Vincent là. On va continuer la... les préparations pour le braquage. Ah, je viens de faire un clip là, faut que je le mette sur TikTok là. Je le ferai pendant la cinématique. Attends, je crois que c'est là, non? C'est là-bas. Ouais, du coup, je te fais un petit résumé, Pelé. Bah, j'ai raté la mission là, de réappro. Puisque c'est une mission de réappro très spéciale où vraiment, si tu la fais seule, c'est impossible. Donc je vais directement voir Vincent là et on va envoyer la sauce directement. Samouraï et algérienne, let's go. Ah et du coup, tac. J'ai dû faire tomber mon véhicule dans l'eau. MMI, we expect the unexpected. 5000 balles dans le cul, bien sûr. Super, génial. Oh cette mission, j'aurais dû la dégager dès le début en fait. I'm on the clock. What you want? Some wheels? Je sais même pas quoi conduire. Attends, si un petit truc sympa quand même. La tempesta elle me déçoit jamais. I'll bring it to you. Alright, I'll get back to work. Alors. Hey, it's my pleasure to inform you that we have officially completed all necessary preparations to move forward with the Clucking Bell operation at your earliest convenience. Quoi, c'est l'heure du braquage là? Mais non. Ça y est? C'est le braquage final là? Vas-y, let's go. Phase finale, scène du crime. Ah ouais? Bah cette fois-ci, je vais pas le faire solo. Je pense que je vais attendre qu'il y ait des joueurs qui me rejoignent. Ce sera plus sympa. On va attendre un petit peu, 2 secondes, le temps de faire le clip. Ah bah c'est parfait, le temps de faire le clip sur TikTok. Et puis voilà. Alors c'est où? Tac. En espérant que des gens me rejoignent. Hop, nickel. Tac. Télécharger. Y'a personne qui rejoint, on dirait.
Ils sont tous sur GTA RP là, ils sont tous matrixés avec GTA RP, personne n'est sur les serveurs normaux. Sinon je le fais solo, hein, je m'en balais. Ah, on est deux? On peut être jusqu'à 4, bon on va attendre un petit peu. Il s'appelle quoi? Ah bah il est parti, super. Super. Je suis trop content. C'est le bonheur. Hop, je mets les petits hashtags qui vont bien. What the fuck? Tac. Toujours personne. Sinon, je lance solo, hein. Je finis le clip et s'il y a personne, je lance solo quand même. On va mettre. Ah, il y a quelqu'un. Critux. Intéressant. GTA. GTA 5. GTA Online. Attends, il y a un autre GTA. Ah oui, avec le V. Ça fait quoi si je fais ça? Ok. Hop. Je poste. Publier. C'est bon. Bon, bah j'envoie. Hein. Il est toujours là. Maintenant, bah, il est parti. Voilà. J'allais envoyer. Et au moment où je vais envoyer, la personne elle se barre. Eh, le prochain, je le prends en otage. Je m'en bats les steaks. J'envoie la game direct. Allez, c'est bon. J'ai mis le truc sur TikTok. On va pouvoir envoyer solo. Eh ben écoute, si on le fait solo, on le fait solo. C'est parti. Voulez-vous vraiment lancer cette activité en solo? Oui, tout à fait. J'ai pas l'habitude de douter en fait de mes choix. Alors juste pour information encore, je joue sans aim assist à la manette. Et en visée libre. Some friends in the Department of Sanitation to leave it in the dumpster to the rear of the factory. Come here. Fuck, we're dropping like flies, eh? Il y avait quelqu'un ici, j'ai pas rêvé. You got
got nowhere to go now. Je suis dans la merde. Putain, enfoiré. C'est adios, puto. Fucking animal. Hey, man down, you need some help. Fucking animal, motherfucker. Oh, de la vie. Nice. Y'a pas une armure? Dommage. Ok. M'attends là. Wouah, je suis dans la merde. Cobarde, it's not safe for you here. Once you got eyes on the product, don't hold back. Faut que je fasse quoi ici? Ah d'accord. Non mais j'aurais pas assez de place en fait. Ah c'est pour ça qu'il faut pas faire les braquages solo. Excellent. Ah bah non. Ah ça va. Ah ça vit hein. Ok. J'ai déjà trouvé le titre de la vidéo YouTube. Ça va être en gros je braque un cartel tout seul. Ah ouais. Putain mais ça vaut combien tout ça là? Attends, juste un truc. Okay.
motherfucker is hit! You motherfucker! Dickie's down! Dickie's down! Luis is fucking hit! Shit! Get out of here, little cobarde! Oh non, ne me dis pas qu'il faut faire un truc. Ah, ouais. Ah oui, d'accord, faut prendre la... Ok. Elle est où? Elle est là. Oh, c'est vachement RP, hein. Ça me rappelle une mission dans GTA Vice City. On est dans un hangar comme ça et on doit utiliser un porte-conteneur et tout. C'était pas mal. C'est bon? Pourquoi il a rien pris? Wesh. Entrepôt. Hey, put those tires before you get hurt. Yeah, you're fucking dead now. Putain, mais je prends trop cher, je vais jamais finir ça, c'est un truc de ouf. Je vais jamais finir tout seul, c'est pas possible. Il y a trop d'ennemis. Mais d'où il sort lui? C'est un chien va, mais c'est un truc de ouf, d'où il sort? Ah ouais d'accord, le P-Word directement. D'où il sort lui? Mais c'est un truc de ouf. Mi vida, vago. Non mais il spawn à l'infini, c'est bon. Il spawn à l'infini les mecs, ça sert à rien. Bon, faut que j'avance. Yeah.
coming. Hand down. Cáele, puto! Yo te mato! We get hurt. Merde, la clé! What the fuck? Merde, j'ai oublié... What? Mais non... Wesh... La clé, bordel de... Aller au bureau, mais j'ai pas la clé, frère. Mais qu'est-ce qu'il foutait là, lui? Attends, la clé, je l'ai vue. Et là. Dépêche toi de prendre les clés, mais d'où ça prend 3 heures de prendre une clé, frère? C'est bon! Allez, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. C'est quoi? C'est quoi, pourquoi? C'est quoi, il y a un piratage? Ah ouais, super. Ok, c'est par là. Hein. Mais du coup, si je veux tirer. Ils l'ont mis de l'autre côté exprès. Ah, si je fais ça. Ok, il est par là, là. Ok, il est là-bas. Ok, il est tout au bout. Il est malade! Il grimpe partout, wesh! Oh, qu'il la ferme!
Pourquoi je peux pas? Ah voilà. C'est quoi le... Mais j'ai pas le... C'est quoi le code? Zéro trois quarante et un quarante-huit. Pas mal, j'aime bien les petits RP coffres. That should do it. You're done. Ah, j'ai les flics au cul, super. It's time for you to get out of there. There's a healthy mix of cops and cartel ready to gun you down on your way out. So be ready. Je suis dans la merde. Okay. Y a pas de train? Ma voiture? Ah non, mais les flics, c'est autre chose là. Ok, ok, ok. Ok, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Je suis dans la merde. Mais wesh. Non, mais là, je vais mourir. Là, je vais mourir, c'est sûr, je vais mourir. Oh, j'ai trop de chance. Non, sincèrement, j'ai trop de chance là. Functional, fast and not too flashy. The optimal getaway car, my humble opinion. Là, c'est mon point fort, la conduite. Normalement, normalement. Kilomètres, ils se foutent de ma gueule, hein. Ils se foutent de ma gueule, hein. Mais c'est des ouf, 9 kilomètres. Je suis pas mort, je suis pas mort une seule fois, les gars. Wesh, les gars. Attends, j'ai parlé trop tôt. Heureusement que j'ai pris cette bagnole, hein, parce que les autres c'était vraiment gaze. Hein. Putain, j'ai déjà fait 3 km, pas mal. Wesh, la bagnole est propre chère. Va falloir que je perde les flics. Oh nice. Ça je t'ai fait. Practically be a ranked officer.
Et merde. Ouh, de justesse. Mais non. Je l'ai fait aussi proprement que ça sans mourir une seule fois, c'est sérieux là? Je suis choqué. Mais je suis content. Je me demande si ça paye bien. J'ai hâte de savoir. Ah vas-y, parle trop Vincent, vas-y, ferme-la et donne-moi mon argent là, c'est bon. Ah ouais. Sérieux, c'est terminé. Mais non. Excellent work, mission accomplished. Now to the vital matter of payment. Ouais. As I'm sure you can appreciate, there are certain transactions I can't be party to as an officer of the law. But if I've learned anything from my consociates on the LSPD, it's how to look the other way. Wesh, y'a combien là-dedans? Ça a l'air tout léger. Now remember, as far as I'm concerned, you can hit that factory as often as you'd like. As long as you're giving me reasons to keep looking the other way, I'm happy. As you can see from my choice of transportation, hey Vincent, il a géré, hein. My fortunes at the LSPD are also improving. Just got these babies in. Fresh off the line. Guess who picked one up? Until next time. Mais je l'ai déjà la bagnole. Wouah, comment il démarre lui, mais c'est un ouf. Réussi. Vas-y, combien? 500 000. Ça va. Eh, ça va en fait, hein. Ouais, c'est pas mal, 500 000, j'aime bien. It sucks. I don't need another lecture. What's a salad without cheese? I'm dressed with the Excusez-moi, c'est non, en fait, je voulais non, en fait non. Non, pardonnez-moi. Non, je voulais juste fêter. Non, mais les gars, vous étiez groupés aussi Hello. I wanted to confirm that your compensation is in your account. And of course, to congratulate you again on a successful operation. J'étais groupé, je pouvais pas faire autrement. Our efforts to derail the Clucking Bell cartel's efforts were indeed effective, but it won't be long before they and their corrupt counterparts in the LSPD rebuild their little enterprise. Each and every time we knock them back down, I'll ensure it's worth your while. Effenberger out. Eh ben, c'est plutôt pas mal. 500 000 dollars. Par contre, j'ai pas vu ce qu'il m'a dit, là. Il m'a dit quoi? Ok. Thank you.
Oh, bah c'est plutôt cool. Ça me fait combien ça en fait en liquide? Il m'a donné du liquide, on est d'accord? Ah, ça me fait 1 239 en liquide, ok. Ok. Bah, c'est une bonne chose de fait. Nice. Du coup, je sais pas quoi faire maintenant. Puisque maintenant j'ai terminé tout ce qu'il y avait à faire dans GTA. Il me restait plus que ça. Je vais aller checker le bunker peut-être. Attends, mais il y a 0 sur le coffre-fort. Ah ouais, d'accord. Oh, vas-y, flemme d'aller voir l'autre, là. Marcel. What up, girl? Nah, I'm saving my last split for after this Prop 208 meeting. Wanna come? Allez, un petit peu de bénéf. Later. Ah bah super. Oh vas-y, juste pour le plaisir, vraiment, ça fait tellement longtemps, ça me rappelle tellement mes débuts sur GTA que vas-y on le fait. I'd be happy to help you before finishing my... Allez, nique ta mère, donne-moi tout l'argent, vas-y, donne, dépêche. J'ai pas que ça à foutre. Dépêche, j'ai dit. Ouais, dépêche. J'ai pas que ça à faire. Grouille. Dépêche, j'ai dit. Dépêche. You should be ashamed. Ta gueule.
Alors, on y va. Désolé les gars, j'ai un mandat du FBI. Voilà les gars. Vous pouvez rien faire. Eh ouais. Deep State les gars. Mais ouais, les flics c'est trop bas pour moi. Nous ici, on est chez la CIA, on est au FBI, on fabrique et on vend des armes. Je suis immunisé. J'espère qu'ils vont pas me remettre la mission avec l'hélicoptère, c'est mort, je veux pas. You know what the techs at the lab are really itching to break down? A tank. We found the mother load, so go out there and bring them in. Bon, je fais cette mission et après j'arrête. Avec... Et après j'arrête. Et après j'arrête.
sur ma droite, mesdames et messieurs, mon yacht. Mon yacht personnel. Bon, j'avoue, là, c'est le FBI, il y a aussi l'armée. Je n'ai pas de mandat au-dessus de l'armée, malheureusement. Ah bah si, en fait. Si j'arrive à mon hangar, si, je serai sous juridiction de l'IAA, comme disent les mecs de Rockstar. Bref, on arrive à temps. Bien sûr qu'ils abandonnent, ils arrivent en territoire Deep State. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vais m'arrêter là-dessus. C'était un nouvel épisode de l'expérience GTA Online, parce qu'effectivement, je vais mettre ça sur YouTube. À chaque fois, je me pose la question et en fait, voilà. Là, ça ira clairement sur YouTube. Je vous dis à la prochaine, c'était Ayahuasca, j'espère que ça vous a plu, vraiment, moi j'ai kiffé. C'est vraiment un jeu dont on ne se lasse jamais. Nice work, your technicians are already breaking that down. Allez, on va trouver une belle vue, l'histoire de... Tac, c'est pas mal ici, non? Vue sur une plage avec la lune et tout. Allez, je vous dis à la prochaine. Et puis prenez soin de vous, qu'est-ce que je voulais que je vous dise d'autre? C'est pas mal, non? C'est vrai, hein, prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.